shame? Is it to follow the path laid down by the Emperor at the founding of the great Imperium of Man? I ask myself what it means to be one of the Dark Angels. It is to be the honored First Legion, the Emperor's Wrath, the Sons of the Lion. Repent, for tomorrow you die! Et salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay découverte de Warhammer Space Hulk Deathwing Enhanced Edition sur PlayStation 4. Sorti déjà il y a plus d'un an et demi sur PC, édité par Focus Home Interactive et développé par Cyanide Studio. Ils nous font le petit plaisir de nous faire un portage sur la dernière console de salon de Sony. Mais bon, qu'est-ce que... Franchement, déjà, on peut le voir. Certes, il est beau graphiquement, mais des clippings sont présents dès le début des missions, le temps que vos alliés se connectent. Et puis, voilà, le framerate reste un point négatif qui... ouais, on ne peut pas passer à côté, ce n'est pas négligeable. Et du coup, bon, quand on flingue les ennemis, vous les voyez légèrement se TP sur vous. Bon, ça le fait pendant un petit peu de temps au début, quand on lance une mission. Mais voilà, ce qui est à retenir, c'est que graphiquement, après, il est assez beau pour le décor, pour vos alliés, votre arme. Mais après, quand on tire sur les ennemis, oh, putain, on voit clairement que le grave des ennemis a été purement négligé. On a l'impression de taper sur des ennemis dignes de la PlayStation 2. Et ça, c'est vraiment dommage. Sur PS4 Pro, il vous est possible de privilégier le graphisme en négligeant du coup le framerate, donc du coup d'augmenter les clippings de texture. Et inversement, forcément. Sortie officielle le 22 mai 2018, et Peggy nous le déconseille au moins de 16 ans, pour le côté gore bien entendu. Je m'attendais même à un moins 18, mais bon, on incarne des Space Marines, des Dark Angels pour être plus précis. Mais comme vous le savez, voilà, les Space Marines, c'est très orienté... côté biblique, religieux, etc. Et donc du coup, les jurons, les insultes ne sont pas de mise dans cette édition Space Hulk. Donc du coup, pour un langage qui n'est pas trop violent, eh bien le jeu, Peggy a opté pour un moins 16 et non un 18. Je me devais quand même de vous informer là-dessus, parce que c'est vrai qu'on pourrait s'étonner que le jeu ne soit pas en moins 18. Du coup voilà, qu'est-ce que Enhanced Edition, c'est donc du coup la version sortie sur PC il y a plus d'un an et demi, avec tous les DLC sur PS4, donc du coup 9 missions qui sont appelées des chapitres, vous seront proposées, ainsi que 7 autres missions supplémentaires, à savoir qu'une mission fait environ entre 35 minutes et 45 minutes de jeu, que l'on soit seul, ou à 4, vu que le jeu est évolutif en fonction du nombre de joueurs qu'il y a par mission. Du coup, la difficulté est croissante. Ensuite, donc, on se bat contre des tyrannides, contre les fameux Xenos de la licence Warhammer 40K. Donc, pour vous faire un mix, c'est en gros... si vous avez joué à Warhammer Vermintide, ça se rapproche aussi également au style de jeu de Left 4 Dead. Le principe du jeu, voilà, il n'y a pas réellement d'histoire, même si elle est brèvement scénarisé sous forme de dialogue durant les temps de chargement. Vous êtes à bord d'un Space Hulk. Un Space Hulk, c'est un vaisseau qui est d'une amplitude colossale, limite, qui a la taille d'un pays, qui est capable, comme on dit, de transporter l'humanité à travers l'espace dedans. Un signal de détresse a été envoyé, et vous êtes donc du coup plusieurs Space Marines à répondre à cet appel à l'aide, et à voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se trame dans ce Space Hulk. Donc du coup, le Space Hulk est réparti en plusieurs zones, des zones assez grandes comme vous pouvez le voir, mais toujours ce côté un peu style néo-gothique religieux qui est très propre à la licence 40K, notamment des Space Marines, avec le côté puriste de la Légion des Black Templars par exemple, ou même les Dark Angels que nous incarnons. Même si au début on pourrait s'y méprendre, si on n'est pas très attentif à leur logo et qu'on regarde juste leur couleur d'armure, on pourrait se dire directement que ce sont des Space Wolves. Bon après voilà, je m'étale un petit peu sur le lore, mais si vous n'y connaissez rien au lore de Warhammer 40K, on va pas s'y attarder plus que ça. Donc voilà, beaucoup de fois la même chose à faire, hein, c'est toujours aller d'un point A au point B. Mais bon, après moi c'est le style de jeu que j'adore, le style, comme je dis, Left 4 Dead en fait, voilà. On est plusieurs, il y a plusieurs classes disponibles, avec tous les DLC inclus dans la Enhanced Edition sur PS4. Un des nouveaux personnages jouables qui n'y était pas au début sur la version PC est arrivé.
Et tenez-vous bien, pour ceux qui s'y connaissent un peu dans Warhammer, nous pouvons incarner un personnage qui est le chapelain. Oui, j'ai bien dit le chapelain. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est en gros un personnage... Warhammer, de base, étant un RTS, vous savez, le fameux jeu un petit peu stratégie-action en temps réel, où est-ce que l'on encadre des unités avec le clic gauche, les amener au clic droit à d'autres endroits, vous savez, un petit peu comme Warcraft 3, Age of Empires, Civilization et j'en passe. Mais du coup, adapté dans de nombreux autres styles de jeu, eh bien, voilà, c'est assez sympa de voir que il y a aussi ce côté bourrin en fait que représente la licence Warhammer, qui peut être adapté en format Left 4 Dead. Et ça, c'est assez stylé, même si c'est assez redondant d'avancer, comme je vous ai dit, d'aller d'un point d'arrivée à un certain objectif, et de faire ça dans différents lieux du Space Hulk. Certes, les lieux étant quand même assez différents, même si... Bon, le design graphique et l'architecture du Space Hulk est assez semblable au reste du vaisseau. On voit quand même que les zones se différencient au fur et à mesure que l'on avance dans le jeu. Donc, de ce fait, la lassitude est moins présente. Pensez à refermer toujours les portes et à activer le verrouillage. Donc voilà, et comme je vous ai dit... Pour en revenir, on peut incarner par exemple donc, du coup, voilà, le chapelain qui était donc limite un des héros, c'était une unité à construire qui était limite aussi puissante que notre héros principal dans les RTS. Je pense notamment à Warhammer Dark Crusade qui était un de mes préférés. Et du coup, il est jouable dans cet opus. Ah, il fait sale gueule. Donc on avance bientôt vers l'objectif, on doit forcément retrouver un de nos frères. Oui, les Space Marines s'appellent frères entre eux, forcément. Ce petit credo religieux qui règne toujours dans l'ambiance. Du coup, il est là, il est derrière cette porte. Ouais, voilà. On entendait bien du mouvement. Donc voilà, comme je vous ai dit, jouable à 4, donc là, il n'y a qu'une seule personne qui m'a rejoint. Mais bon, voilà, j'ai voulu faire une partie rapide pour pouvoir présenter de quoi il en retournait dans le jeu. Et ça suffit amplement parce que voilà, j'ai pas envie de vous montrer les autres missions, celle-ci c'est la première. Je l'avais déjà faite brièvement sur PC il y a déjà un petit moment. Donc je retrouve un petit peu le jeu, je me le remémore. Alors, Gideon il est là et il fait la gueule. Donc voilà, après la suite des missions est annoncée par votre commandant qui sera un petit peu le narrateur, informateur du jeu. En termes d'objectifs à accomplir et à remplir durant le chapitre. Donc, sur ma zone, on m'a dit d'aller vérifier là-bas à 80 mètres. Allons voir ça. En plus du chapelain, donc du coup plusieurs classes. Et bien sûr, vous avez forcément les Space Marines. Donc là, nous sommes deux de la même classe. Nous sommes des apothicaires, les apôtres, si vous préférez, et on est en gros des soigneurs, en fait, on est des healers. Après, bien sûr, vous avez forcément les Space Marines de base, les fameux Terminators. Il y a donc, du coup, après les commandants, ceux avec leur fameuse épée, en plus de leur bolter. Non, franchement, c'est assez stylé. Le lance-flamme est présent, le canon à plasma, les lances-laser, franchement, tout ce qui est possible qu'on a connu dans Warhammer 40K pour les Space Marines, l'arsenal est présent. Il y en a beaucoup, là, de tyrannides qui nous foncent dessus. Tyrannides, quelle saleté. Autant dans le jeu que dans les figurines plateau. Hein. C'est une folie. Dites-vous que les tyrannides, si vous n'êtes pas trop Warhammer, et que vous êtes plutôt par exemple StarCraft, dites-vous que les tyrannides c'est aussi chiant en fait que de jouer les... Mince, je me souviens plus du nom. Les ergs, voilà, les ergs sur StarCraft. C'est aussi chiant, ça pullule et c'est chiant, tout simplement. Donc, c'est sorti du conduit. Alors ça après c'est un portail. Tant que vous irez dans le portail, en fait, ça va vous re-healer, vous remettre toutes vos munitions. En fait, c'est une sorte de checkpoint dans lequel vous pouvez aller et que les ennemis ne peuvent vous suivre. On va aller par là. Comme les missions sont assez longues et que je fais des gameplays généralement, j'essaye au moins de me cantonner à moins de 25 minutes de gameplay pour faire quelque chose d'assez concis, pour vous faire découvrir le jeu et vous donner la hype. Je vais stopper ma mission en plein milieu, hein, ne m'en voulez pas.
Mais après, comme je vous ai dit, c'est souvent la même chose à faire. Hein, mais si ça vous plaît par rapport au lore du jeu, que vous avez toujours rêvé d'être un super Space Marines rempli de testostérone à défoncer du Xenos, eh bien, voilà. Je pense que Space Marines, Space Hulk Deathwing est fait pour vous, clairement. Le jeu ne coûte que 39€. Et il vous occupera 14 gigas de votre espace de stockage. Après, c'est vrai que, bon, on aurait pu se dire qu'il aurait pu être mieux fait. Mais pour le prix et pour, bah, du coup, une mise à niveau sur console, eh bien, pour le prix, je trouve que bah, là, on en a pour notre argent. S'il avait coûté réellement 70 balles, ouais, je me serais beaucoup plus plaint de, bah, du grave des ennemis quand on leur tire dessus, etc. Quand on y prête un petit peu moins attention et qu'on est plutôt happé par l'ambiance qui nous rappelle étrangement les premières aliens sur PlayStation 1 par exemple, ce côté où est-ce qu'on avance un petit peu vers l'inconnu et qu'on ne sait pas si on s'en sortira vivant dans la prochaine salle, eh bien ça, ça fout une espèce de stress et de hype en continu qui vous donne envie de poursuivre le jeu et de vous dire qu'est-ce qui va se trouver derrière cette porte. Et ça, ça reste quand même un point positif. Ça faisait longtemps que par l'ambiance d'un jeu, qui a une certaine linéarité style Left 4 Dead, j'avais pas été aussi hypé depuis Left 4 Dead, en fait, clairement. Même si Warhammer Vermintide est vachement stylé, qu'il est beaucoup plus beau dans le fond, plus travaillé, je sais pas, je suis plus hypé par celui-là, peut-être c'est le côté arme à feu, qui plus côté notre temps Warhammer 40k plutôt que Warhammer de base, aussi ça peut être pour ça. Après, chacun ses goûts, je pense que bon, si vous aimez Warhammer, il est inutile de vous en priver de celui-là. À plusieurs, c'est monumental. Vous pouvez jouer RP entre vos potes et tout. Beaucoup de gens en ligne qui ont un casque et le chat vocal jouent pas mal en RP. En plus, c'est assez surprenant. J'ai été surpris de voir qu'un mec m'appelait frère dans le chat alors que je ne savais même pas qui c'était, etc. Donc c'est assez classe, on est immergé même et on est aidé par les joueurs. En fait, c'est surtout des passionnés qui achètent ce jeu. Et du coup, bon, je ne pouvais passer à côté vu que Warhammer, c'est un peu mon enfance, les figurines peintes, etc. Et mon adoration pour la Légion des Black Templars, c'était forcément banco pour ma part. Donc voilà, on retrouve ce système un petit peu pseudo-RPG avec du coup des tanks, des healers, des DPS, et chaque personne apporte vraiment son plus dans la team, et croyez-moi, on sent quand un joueur ou une unité, un certain rôle est manquant dans le dans la squad en fait qui part en mission. On se dit que peut-être qu'il faudrait changer de personnage à tel ou tel moment. Et le portail que vous avez vu précédemment vous permet, bien entendu, durant la mission, de changer de personnage ou même de garder le même et lui donner une arme différente. Et donc ça, c'est ça aussi, c'est assez sympa. Donc du coup, le jeu s'adapte en fait en gros à la situation qu'il va vous donner. Et il va vous dire, bon, tu vas subir maintenant une vague d'ennemis, au lieu d'aller d'un point A à un point B, trouver le corps de quelqu'un, récupérer quelque chose en particulier, un vaisseau va arriver et va vous amener ailleurs dans un autre espace du Space Hulk. Ben, le temps qu'il arrive, tu vas subir des vagues, etc. Change d'arme, prends plutôt un lance-flamme, vu que tu vas avoir plusieurs vagues dans la tronche. Donc voilà. Donc ça, c'est cool, et c'est plutôt sympa parce que voilà, encore une fois, le fait de changer d'arme, ça offre en fait une certaine, pas une nouveauté, mais au moins une autre façon, une autre adaptation, une autre façon de voir comment les ennemis peuvent être battus tout simplement en fonction des situations qui vous seront données. Et ça, c'est vraiment sympa. Ce qui est vraiment cool, après, je sais que je vais parler peut-être que pour les fans, mais jouer à un apothicaire et de voir qu'il a par exemple sa seringue sur le bras gauche, etc., c'est quelque chose qui leur est propre et ça, ils l'oublient pas. Enfin, ils sont vraiment très puristes, ils s'attachent vraiment, ils ont le souci du détail et c'est vraiment respecté. En tout cas, l'ambiance est vraiment présente et pour ça, c'est vraiment, vraiment sympa. Je sais qu'il n'a pas eu une note excellente, je ne me rappelle pas la note qu'il a eue sur PC. Un test sur console, il n'en a pas encore sur les sites communautaires de jeux vidéo, mais moi pour ma part, c'est vrai que à cause de ce graphisme, de ce clipping, etc., il prendra pas une note excellente.
Je pense que c'est un jeu qui ne prendra pas plus de 14, ça c'est sûr et certain. Mais moi, en tant que fan, c'est vrai que justement, je lui mettrai un 14 mérité, même si je pense que dans les sites communautaires, ça ira pas au-delà de 12, malheureusement. Bon, au moins. L'avantage au moins de jouer à un heal, c'est au moins de pouvoir vous soigner. Vous voyez mes pouvoirs en bas. Triangle qui est le je peux soigner un collègue. Rond, c'est moi-même. Et mon super rond triangle, c'est de me healer moi-même et mes alliés dans un certain périmètre. Quand ils arrivent à la suite, là, on a l'impression d'avoir affaire à la horde dans l'effort d'aide. Ça, c'est drôle. Il faut se planquer et faire front. Toujours penser à refermer la porte. Donc voilà, si vous jouez par exemple, je sais pas, si le chapelain vous avait interpellé quand j'en parlais, ces pouvoirs par exemple, vous avez un pouvoir qui permet de ramener tous vos collègues à la vie s'ils sont morts, parce que quand vous êtes mort, vous avez, tenez-vous bien, 260 secondes de cooldown avant de réapparaître si la mission n'est pas terminée, ou si aucun personnage n'a un sort pour vous réanimer. En l'occurrence, le chapelain tout simplement. Ses autres sorts, c'est d'être invulnérable pendant quelques secondes, et sinon, c'est de choper, de se mettre en fait une armure qui renvoie les dégâts pendant quelques secondes. En gros, il prend rien, et tous les dégâts subis, il les renvoie à l'ennemi qui lui a donné. Ça, c'est assez classe, donc du coup, il a un rôle très très tanky, et c'est un réel plaisir de jouer avec un chapelain quand vous jouez à Apothicaire. Ça, c'est vraiment fou. Et ça va pas s'arrêter, c'est incroyable. On arrive bientôt à l'activation du générateur, et je pense que, bon, voilà, une fois activé, eh bien, je m'arrêterai là pour ce gameplay, parce qu'après, il y a encore pas mal de choses à faire dans la mission numéro 1, il me reste encore deux objectifs, et ce sera, je pense que ça va me demander le double du temps qui m'est demandé pour faire ce gameplay. Déjà, je le rush un peu, parce que c'est une mission que j'ai déjà faite et que je connais, donc, du coup, bon, heureusement qu'on a la map pour savoir où est-ce qu'il faut aller, etc. On va activer, je suppose qu'il va y avoir une énorme vague d'ennemis qui va arriver. Et on va avoir du mal à s'en sortir. Voilà, on active. Et du coup, je vais m'arrêter là pour cette présentation et ce gameplay découverte de Space Hulk Deathwing Enhanced Edition sur PlayStation 4. J'espère du coup que mon test vous aura bien plu. Sur ce, je vous dis... Oh mon dieu, ça arrive. Oh mon dieu, est-ce que je vais survivre ? Je vous dis à très bientôt, suspense. Ah, ciao tout le monde.